À quelques jours de Pâques, la chocolaterie Petit Grandeur de Grenay met les bouchées doubles. Pour créer ses douceurs à faire fondre, Ludovic commence par chemiser son moule. C'est remplir le moule, juste le tour du moulage. Là, je le fais vibrer pour chasser les bulles d'air. Et là, j'enlève le surplus du chocolat pour donner une coque relativement fine, ni fine ni trop épaisse. Et une heure plus tard, voilà le résultat. Des centaines de cloches, de poules, même de téléphones seront vendus comme chaque année ici, dans des espaces qui font rêver. Vous avez des canards, tout ce qui peut concerner Pâques, et qui est créé avec des produits qui sont 100% chocolat, avec du chocolat blanc, du chocolat noir ou du chocolat lait. La fabrique grenaisienne a été fondée il y a 25 ans et Gilles l'a reprise en 2021. Depuis, ouverture à l'international et élargissement de l'offre sont le quotidien d'une dizaine de salariés. Ils conçoivent 10 millions de chocolats par an, mais font face depuis plusieurs mois à une inflation galopante. La quasi-totalité des matières premières ont grimpé. Les chocolats ont pris entre jusqu'à 40-45%. Les matières premières sucrées lait ont fortement augmenté. Et l'énergie pour une entreprise comme Petit Grandeur s'est multipliée par 4, par 5. Les coûts, on fait tout pour pérenniser l'entreprise, mais ça limite la capacité d'investissement et de création et de développement de l'entreprise. Heureusement, Petit Grandeur peut compter sur sa spécialité, les petites pralines. 37 références avec la dernière nouveauté, Stéphanie, chocolat noir, praliné, billes de fruits rouges, certaines seront à retrouver dans des œufs. Dans cet œuf de Pâques, on va mettre des mini figurines ou des mini pralines ou figurines de Pâques, des cloches, des petits lapins. Vous allez trouver soit des œufs, des poules, et on met ça dans les œufs que l'on ferme et qui seront à dénicher ce dimanche 9 avril, jour de Pâques. En attendant le lapin ou les cloches, rendez-vous à la boutique Petit Grandeur du lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 18h.